alors que vous aviez le droit de vous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée. Aujourd'hui, le pouvoir vous surveille nuit et jour. En sommes-nous arrivés là? À qui la faute? Pour être honnête, si vous cherchez les coupables, regardez-vous dans un miroir. Justice que je vais dédier ce concerto. En l'honneur des trop longues vacances qu'elle semble s'être accordée, elle qui est censée défendre les enfants des pauvres et punir les malfaiteurs, et à la gloire des imposteurs qu'elle nourrit en son sein. Mais, Evie, savez-vous quel jour nous sommes? Le 4 novembre. Non, plus maintenant. Donc, si vous ne souffrez de rien, si les crimes de ce gouvernement vous ont laissé indifférent jusqu'à ce jour, alors vous seriez en droit de refuser toute commémoration en date du 5 novembre. Mais si, par contre, vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, et si vous désirez ce que je désire, alors je vous demande de vous joindre à moi dans un an, jour pour jour, devant les portes du Parlement. Et alors, tous ensemble, nous leur ferons vivre un 5 novembre, ni le monde, ni eux, pour en trouver. J'en communique avec nous par des volets de coups matraques. Le seul verdict que je vois est la vengeance. Vendetta violente. Souviens-toi du 5 novembre 1605. Le seul verdict que je vois est la vengeance. Une vendetta violente, brandie tel un ex-voto, et non en vain, visant à faire vaincre la vertu face à cette vilenie levée dans les veines de nos villes. Ces vagues vocales faisant de moi un ventriloque vociférant ses volutes verbales, revenons-en à l'essentiel. Je suis honoré de vous rencontrer. Alors pour vous, je serai fait.